Baisse des aides au logement pour les plus démunis, réduction des aides à l'achat pour les particuliers, réforme du financement du parc social, le gouvernement s'attaque au dossier du logement et l'ardoise est salée. Serons-nous tous perdants? Cette réforme est-elle nécessaire? Est-elle juste? C'est l'heure du débat. Et pour ce débat, nous accueillons Hervé Berville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la deuxième circonscription des Côtes d'Armor. C'est celle de Dinan et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Emmanuel Couette, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes maire socialiste de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, président de Rennes Métropole et président démissionnaire du Fonds national des aides à la pierre. Nous y reviendrons dans un instant puisque c'est fortement lié à ce débat. Nous rejoindrons également en cours d'émission Yasmina Eligon, trésorière de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, c'est la CLCV, et Michel Aubo, vice-président de la Chambre syndicale de l'UNPI 35. L'UNPI, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière. Et bonjour à Loïc Schwartz, notre dessinateur. Bonjour. Loïc jouera les trublions, éclairant notre débat avec ses caricatures et ses traits bien sentis. Vous avez peut-être d'ailleurs un premier dessin pour nous, Loïc ? Oui. De plus en plus de mal logés. Ah bah oui, vivre sur un yacht, hein, l'idée est plutôt séduisante, mais c'est un rêve inaccessible pour la plupart d'entre nous. Et quand on vit sur Terre et qu'on pense logement, on pense confort, bien-être, mais aussi cherté, travaux, impôts. Et pour cause, hein, un quart du budget des ménages est consacré au logement. Alors vous, êtes-vous satisfait de votre logement? C'est la question que nous vous avons posée. Veuillez d'avance nous pardonner, hein, nous avons dû réaliser cette prise de son dans un environnement un peu bruyant. Alors tendez bien l'oreille. Êtes-vous satisfait de votre logement? Oui, je suis satisfait. Je cherchais un logement dans le Vieux-Rennes avec des pans de bois et de la pierre. J'en suis très contente, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai eu deux propositions, j'ai craqué sur la deuxième et je suis très contente de mon quartier, j'habite au Lys, c'est un quartier qui bouge, j'y suis bien quoi. Bah, je voulais un jardin, un petit espace pour les enfants et donc ça pouvait pas se faire sur Rennes quoi. Êtes-vous satisfait de votre logement? Non, pas du tout. Ça fait plus de 5 ans que je suis à Rennes. Le logement, en réalité, par rapport aux organismes HLM, parce que ce sont des HLM que j'ai pris, il n'y a pas d'entretien. L'entretien, il n'est pas fait comme il se devait. Et lorsqu'on part poser des questions à qui de droit, on n'a pas de réponse. Et cela prend beaucoup, beaucoup de temps. Nous sommes satisfaits de notre logement parce que c'est une maison que nous avons fait construire en 1987. Et heureusement qu'il vieillit bien, donc on n'a pas de gros travaux à effectuer dessus, et ça nous satisfait. Emmanuel Couette, il y a une semaine, vous avez démissionné de la présidence du FNAP, le Fonds national des aides à la pierre, qui participe au financement des constructions HLM. Pourquoi jeter l'éponge ? Parce que le gouvernement vient de décider de diminuer par 4 les aides à la pierre, donc ce sont les subventions d'investissement pour permettre la réalisation, la construction de nouveaux logements sociaux. C'est un désengagement de l'État que j'ai voulu dénoncer et qui vient en plus de la réforme des APL, dont on va pour l'essentiel, je pense, discuter ce midi. Réforme que je trouve, mais nous sommes très nombreux dans ce cas, injuste sur le plan social, puisqu'elle frappe d'abord les plus démunis, les allocataires bénéficiant de l'aide au logement du parc HLM. Elle est inefficace de notre point de vue par rapport à l'objectif de construire davantage de logements. Je pense qu'elle sera même contre-productive, on y reviendra. Et puis elle est très pénalisante pour l'économie, le secteur du bâtiment en particulier. Tous perdants, c'est le titre de votre émission, c'est en tout cas ma conviction. Mais démissionner, c'est quand même un geste fort. Vous aviez le sentiment qu'il était impossible de travailler avec ce gouvernement ?
Pas du tout. J'ai simplement demandé aux deux ministres en charge du logement, M. Mézard et M. de Normandie, de ramener à leur niveau précédent, 200 millions d'euros en l'occurrence, les subventions de l'État, y compris pour qu'il y ait une forme de cohérence entre un discours sur le choc de l'offre d'un côté et la réalité des moyens mobilisés par l'État de l'autre. Et je n'ai pas été entendu, j'en ai tiré les conséquences parce que cette baisse des subventions d'investissement, elle vient dans un propos, dans un projet plus général du gouvernement qui frappe les allocataires du monde HLM, qui frappe le système de production de logements plus globalement, on y reviendra. Donc c'est à la fois une décision symbolique, forte, mais qui s'inscrit dans un contexte qui est très défavorable aujourd'hui au monde du logement. Alors, Hervé Berville, là actuellement, que ce soit les élus de gauche, de droite, les offices HLM, les professionnels de l'immobilier et du bâtiment, les associations de défense de consommateurs aussi, tout le monde semble vent debout contre cette réforme. Pourtant, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, avait lancé une vaste consultation des acteurs du logement. L'idée, c'était de les écouter avant d'élaborer une stratégie logement. Comment est-ce que vous expliquez ce tollé qui accueille cette réforme ? D'abord, je tenais à dire que on l'a bien vu dans le reportage et le micro-trottoir que vous avez donné, c'est qu'il y a une nécessité, une urgence de refonder la politique du logement parce qu'on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Et nombre de nos concitoyens l'ont évoqué. Alors, quels sont les constats justement que vous avez fait pour dire cette situation? Le constat, c'est qu'on dépense 40 milliards d'euros par an. 40 milliards d'euros par an pour notre politique de logement et que malgré cela, on a 4 millions de personnes qui sont mal logées avec des bâtiments et notamment des logements qui sont encore beaucoup trop énergivores, qui n'ont pas fait l'objet d'investissements conséquents. Et donc, il faut absolument agir. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté des locataires qui, en dépit de la hausse des APL, n'ont pas vu une diminution des loyers. Et donc, du coup, on a une situation où on a, que ce soit dans le privé ou même dans le social, une augmentation des loyers. On a du côté des propriétaires, on va dire, il n'y a pas d'incitation à relâcher du foncier pour justement créer ce choc d'offre. Et du côté du contribuable, vous, nous et tous les téléspectateurs qui nous regardent, on a une situation un peu ubuesque où le contribuable paye pour l'offre et paye pour la demande avec les APL. Nous, ce qu'on a voulu faire, notamment dans le parc social, c'est qu'on a dit on réduit les APL, en effet, mais ça ne va rien coûter aux locataires, puisque en même temps, les offices HLM devront réduire de la même proportion, du même montant, les APL. Donc nous, on a une logique qui est globale. Il s'agit d'agir sur l'offre, avec ce choc d'offre, de donner aux HLM et à tous les acteurs une visibilité sur les financements, parce que qu'est-ce qu'on propose ? C'est que là, on propose de garantir leur coût d'endettement, on va dire, sur 2 ans, alors qu'avant, c'était beaucoup plus court-termiste. Et ensuite, on leur donne des moyens supplémentaires, notamment pour l'investissement dans la transition énergétique, parce que là, c'est là où il faut absolument toucher et faire des investissements massifs sur le long terme. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la réforme telle qu'elle est proposée, elle est juste, elle est claire, elle est nette, il n'y a plus de négociations possibles, plus de concessions à faire. Pas du tout. Il faut continuer d'écouter les acteurs de cette filière et de ce secteur-là. C'est bien évidemment une nécessité et c'est ce qui va être fait là, notamment dans le cadre du PLF. Et Julien Normandie va continuer et Mézard va continuer. Mais nous, on a aussi une responsabilité étant au pouvoir, et d'ailleurs tout le monde doit la partager, c'est de faire en sorte que cette politique qui est inefficace, parce que dépenser 40 milliards par rapport aux autres pays, on dépense beaucoup plus, et avec une situation des locataires, des propriétaires et du contribuable qui n'est pas satisfaisante. Quelles sont les marges de négociation là ? Parce qu'on a vu donc Emmanuel Macron qui a fait un geste sur le PTZ. Voilà, il a fait un geste sur le PTZ pour les zones rurales. Est-ce que vous imaginez d'autres secteurs, notamment le logement social, où on en parle beaucoup en ce moment, cette réforme fait débat. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des marges de négociation ? Alors, ça va être dans le cadre des discussions. Et c'est pour ça que je regrette que M. Couette ait quitté la table des négociations, parce que, à mon avis, même si on n'est pas d'accord, il faut toujours être assis à la table des négociations pour essayer de peser de l'intérieur. Donc, ce n'est pas ma responsabilité d'ici de vous dire quels seront ces éléments, mais bien évidemment, on va continuer d'avancer, on va continuer d'écouter, mais en gardant un objectif qui est clair. Il faut absolument la réformer, faire en sorte que ça coûte moins aux contribuables, parce que ce n'est pas normal d'avoir une politique aussi inefficace et qui produit aussi peu d'effets, et il faut absolument faire ce choc d'offre pour que les loyers diminuent et pour que les jeunes soient aussi logés. On va revenir sur ces aspects
financier, moi, mais Emmanuel souhaiterais... Coué, cette main tendue là, vous la prenez, vous regrettez pas un petit peu finalement d'avoir démissionné vous avez évoqué, trop vite? Vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous avez qualifié de concertation, qui était en réalité, il faut que les téléspectateurs le sachent, un questionnaire reçu par mail, adressé à tous les représentants des collectivités locales, avec 2 ou 3 jours pour répondre dans une forme de QCM. Vous avez été reçu au ministère? Je pense que... Non, j'ai été reçu sur le FNAP, mais je ne vous ai pas interrompu, je vais vous répondre point par point. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de concertation, et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que s'ouvre une véritable négociation. Après, il faut être sérieux et concret, parce que vous avez un propos général qu'on entend... je dirais que vous récitez d'une certaine manière les arguments de la formation politique En Marche, mais ça ne résiste pas. Vous ne soyez pas méprisant. Pardonnez-moi. Aussi pardonnez-moi. Non, mais je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Oui, ne soyez pas méprisant. Je ne suis absolument pas méprisant. Je vais vous répondre point par point et concrètement. Donc, je ne vous ai pas interrompu et je vous demande de faire de même. Le problème, c'est que votre propos, il ne résiste pas à l'examen des faits. D'abord, je note que quand bien même je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, mais vous commencez par considérer que le système est inefficace et manifestement, ça ne vous pose aucun problème de fond, de conviction, de considérer qu'on doit commencer par frapper les plus démunis, les ménages les plus modestes, pour résoudre ce que vous présentez comme étant une impasse budgétaire. Je pense que ça dit beaucoup de choses et évidemment, les Français ont été, je crois, particulièrement choqué que dans le même temps, dans le projet de loi de finances pour 2018, il y ait 4 à 5 milliards d'euros de cadeaux pour les plus riches, alors que dans le même temps, on demandait aux plus modestes des allocataires HLM de faire des efforts. C'est un petit peu le dessin que nous avons vu en début d'émission. Après, moi, je voudrais être très concret. D'abord, de qui parle-t-on? Est-ce que vous connaissez les plafonds de ressources pour bénéficier de l'APL? On parle pour une personne seule de moins de 1 000 euros, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. On parle pour une famille, un ménage avec 2 enfants, de 1 700 euros. Donc, on va venir justement donner quelques chiffres pour justement éclairer le débat sur ces aides au logement en Bretagne. Parce que donc déjà, il est peut-être utile de rappeler que la baisse de 5 euros donc, a été décidée cet été... Et qui est la conséquence d'une insincérité du budget du Parti Socialiste dont alors, vous êtes membre. Mais si, il faut rétablir la vérité. Et là aussi, il faut à la fois pas être méprisant. S'il fallait rétablir la vérité, il aurait fallu rétablir les 5 euros. On reviendra là-dessus. Donc cette baisse de 5 euros... C'est une stratégie globale, justement, de faire en sorte qu'on réduise... C'est vous qui décidez de baisser les aides d'APL, assumez-le. Nous, on assume de faire face à nos responsabilités. Pour 2017, ce qui s'est passé, c'est qu'il manquait de l'argent de vos amis socialistes. Ils n'avaient pas budgétisé les APL. Vous pouvez le nier, c'était une réalité. La Cour des comptes l'a mis. Il y a eu beaucoup de polémiques. En tout cas, personne ne vous oblige à les baisser dans ces proportions-là pour 2018. Vous considérez qu'il ne faut pas vous interrompre, mais vous m'interrompez. La deuxième chose, c'est que sur les APL, mais il faut le dire aux téléspectateurs, pour les gens qui sont dans des logements sociaux, l'impact de la baisse des APL n'aura aucun effet puisque ce sera compensé à l'euro près. Donc là, il ne faut pas indiquer des choses qui sont fausses. On va partir. Donc déjà sur les aides au logement donc, qui ont été baissées de 5 euros, cette baisse est effective depuis le 1er octobre. Dans notre région, plus de 300 000 ménages sont concernés par ce coup de rabot. Plus de la moitié de ces ménages sont des personnes isolées. Alors contrairement peut-être aux idées reçues des uns et des autres, plus du tiers des personnes qui perçoivent ces aides travaillent, ont un emploi. Les chômeurs ne représentent que 14% des allocataires, tout comme les étudiants. Et ces aides sont majoritairement ciblées sur les personnes aux revenus les plus faibles, proches du seuil de pauvreté, vous l'avez indiqué, monsieur Couette. À la clé pour l'État, a priori, une économie de 392 millions d'euros par an à l'échelle du territoire. C'est ce qui est attendu. On a demandé à nos internautes leur réaction par rapport à cette baisse des APL, à savoir, est-elle justifiée ? On regarde ce qu'ils nous disent. Donc, on a Louise à Brest qui nous dit que non, parce que c'est une aide pour les plus démunis. Une autre internaute, elle, estime oui qu'il faut baisser ses APL parce qu'on a trop d'aides sociales diverses et plus les moyens de toutes les assumer. Et puis, une autre internaute qui nous dit également que pour elle, chacun peut faire un effort pour l'économie du pays, que 5 euros, après tout, ce n'est pas dramatique. On va accueillir maintenant Yasmina Eligon. Bonjour Madame Eligon, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors je rappelle que vous êtes donc trésorière de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, la CLCV.
C'est à vous que s'adresse ma première question. Vous avez vu sa dernière réaction. Chacun peut faire cet effort pour l'économie, nous dit Fanny. Hein, 5 euros, ce n'est pas grand-chose. Vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, bonjour aux uns et aux autres. Je peux vous dire que 5 euros, ça peut représenter 5 paquets de pâtes par mois pour des personnes qui sont en difficulté. Et par rapport à ces 5 euros, j'ajoute un élément, c'est qu'actuellement, les personnes qui touchent moins, qui sont bénéficiaires de l'allocation logement ou de l'APL, puisque je rappelle que l'APL est constituée à la fois de l'aide personnelle au logement, mais aussi de l'allocation logement familial et de l'allocation logement social. Ce ne sont pas que les aides qui sont versées aux bailleurs, il peut y avoir l'allocation logement qui peut être versée aussi aux locataires selon leur statut. Si le bénéficiaire de l'APL a un droit inférieur à 10 euros avant le 1er octobre, il ne percevait pas cet APL. Ça, le gouvernement ne l'avait pas vu. Bon, ça a été rattrapé au dernier moment, parce que quand même, 10 euros, c'est conséquent pour des familles les plus en difficulté. J'ai entendu que des locataires sont prêts à dire « oui, on peut faire un effort supplémentaire ». Sauf, et vous l'avez très bien dit, que les allocataires bénéficiaires de l'APL donc, sont quand même très majoritairement de conditions modestes, voire très modestes. Je vais juste moi aussi vous donner quelques chiffres. Dans un organisme HLM à Rennes, 65% des ménages, donc plus de la moitié, ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources pour pouvoir rentrer dans un logement HLM pour l'occupation du patrimoine de cet organisme. Et concernant les entrants, en 2016, ils étaient 76%, donc plus des trois quarts. Donc on va encore demander à ces personnes modestes, voire très modestes, de faire un effort supplémentaire, mais c'est vraiment scandaleux. Attendez, sur la question de ces personnes-là, sur le logement HLM, il faut le répéter, il faut que ce soit clair pour tout le monde, c'est qu'elles ne vont pas avoir d'impact, puisque ce sera compensé par une réduction du loyer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je peux me permettre... Pas la baisse de 5 euros qui a été annoncée. Mais la baisse de 5 euros, c'est la conséquence du budget d'avant. Si je peux me permettre, juste pour terminer. Mais là, on est en train d'agir sur les effets. Nous, on veut agir de manière structurelle sur le fond des choses. Pourquoi aussi les loyers sont si élevés? Parce que notamment, en termes d'énergie, c'est beaucoup trop onéreux, parce qu'on n'a pas fait les investissements en temps. Et surtout, parce que le coût de financement pour ces organismes-là était un peu trop élevé, ou en tout cas qu'ils avaient une charge de la dette qu'ils devaient rembourser à l'État. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire en sorte que ce que payent ces organismes-là à l'État soit réduit, avec une plus grande visibilité, avec une stabilité, avec des investissements. On a un plan de 20 milliards d'investissements sur la transition énergétique. Une partie, 5 milliards, devra aller justement pour faire en sorte que ces bâtiments-là soient beaucoup moins énergivores. Par contre, on demande à tout le monde, et c'est ça, c'est la responsabilité collective, que ces organismes-là fasse en sorte de répercuter le coût. Et enfin, le troisième point, parce que ça me paraît important, la Cour des comptes l'a aussi noté, c'est qu'il y a une trésorerie de 30 milliards chez certains organismes. La situation est très inégale entre les différents organismes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de la mutualisation, de la péréquation pour ceux qui sont les mieux dotés puissent redonner Madame aussi Lido, à ceux qui sont le moins bien lotis. Je suis assez perturbée par ce que dit M. Berville. Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça? Monsieur, vous passez très facilement d'un sujet à l'autre, mais je voudrais quand même revenir. Heureusement, ce matin, je n'ai pas pris trop de café parce que franchement, là, je suis déjà assez énervée. Vous dites que ça n'a aucune conséquence pour les locataires, la baisse de 5 euros. Peut-être, je parlais de la baisse des 60 euros dans le budget qui arrive en 2018. Peut-être cette année. Sauf que vous savez très bien que dans la formule de calcul de réévaluation des aides au logement, chaque année, il y a une formule qui s'applique. Pour 2018, donc, le gouvernement a décidé que ce serait 0,75%. L'année prochaine et les années suivantes, il en sera différemment. Parce qu'il y a une formule nouvelle qui va s'appliquer, puisqu'on introduit un terme forfaitaire de minoration dont le montant sera décidé par arrêté interministériel, sans consultation des assemblées consultatives telles que le CNH, le Conseil national de l'habitat. Je siège au CNH et la dernière fois, le CNH a voté majoritairement contre vos mesures. Malgré cela, le gouvernement, évidemment, n'en a pas tenu compte. Et ce fameux terme forfaitaire, il faut quand même... Qu'est-ce que vous en attendez en fait? Vous attendez une dégradation de... Tout à fait. Il faut dire aux locataires que cette formule-là, s'il est appliquée à partir de l'année prochaine, ça veut dire que ce ne sera pas forcément 5 euros qu'il y aura au moins sur l'APL.
Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30, mais rien ne dit que ce sera compensé par une baisse de loyer, parce qu'on ne va pas non plus continuer à pressurer les organismes HLM non plus. Et quant à la manne... Vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas continuer comme ce qu'on a fait depuis 30 ans sur ce secteur-là. Écoutez, quand vous parlez des 40 milliards de coûts, d'ailleurs, je trouve déplorable que vous parliez d'une politique de logement uniquement en termes financiers. La politique de logement, c'est essayer de donner des moyens aux constructeurs pour qu'ils construisent des logements pour toutes les catégories de population. Et c'est exactement ce que je dis. Oui. Je voudrais terminer sur les 41 milliards, parce que vous ne dites pas quand même que les 41 milliards de dépenses, d'accord, on est d'accord sur les chiffres, sauf que vous avez aussi des recettes. Les taxes foncières, les taxes que rapportent les travaux lorsque les organismes HLM font des travaux dans les logements, il y a de la TVA qui s'applique. Lorsqu'il y a des transactions... On va revenir à tous ces aspects, notamment autour de la construction. Monsieur Couette, vous désiriez réagir. Monsieur Derville essaye de nous faire croire qu'il n'y aura aucun impact pour les locataires. Mais qui peut croire que quand il y a une recherche d'économie d'1,7 milliard d'euros sur le budget 2018, il n'y aura aucun impact. Aujourd'hui, la proposition du gouvernement, c'est de contraindre l'ensemble des organismes HLM à répercuter en totalité sur les loyers. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement? Et ça va signifier des choses extrêmement concrètes pour les locataires. C'est en gros une diminution des trois quarts de leur capacité à investir, de leur capacité à investir dans la rénovation des logements, les travaux de sécurité sur les ascenseurs, les travaux de rénovation thermique ou réduction des trois quarts de leur capacité à investir pour produire de nouveaux logements. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et c'est pour ça que tous les organismes HLM ou les élus de gauche comme de droite sont aujourd'hui vent debout, c'est qu'on va avoir un effondrement de la production. Et si le gouvernement n'est pas capable aujourd'hui de réengager une vraie négociation qui passe par le renoncement à la baisse des APL, il le fera nécessairement dans 18 mois ou dans 2 ans quand il constatera d'une part le fléchissement de la construction de logements HLM, d'autre part la chute des emplois dans le secteur du bâtiment ou encore l'allongement des files d'attente. Ce qui est important je vais le dire en 30 secondes, c'est que quand on parle des organismes HLM, on ne parle pas d'entreprises qui réalisent des bénéfices et on ne parle pas d'actionnaires. On parle d'organismes publics qui ont une mission d'intérêt général et pour lesquels la totalité des moyens qu'ils mobilisent, la totalité de leurs ressources, va directement soit à la rénovation des logements, soit à la construction de logements neufs. On n'aura pas un choc de l'offre demain, on aura un effondrement de l'offre. Alors, tous les élus, gauche et droite, en sont convaincus. Monsieur Couette, justement, Monsieur Berville, on est d'emblée sur le sujet vraiment du logement social. Ce que je vous propose déjà, c'est de rappeler à nos téléspectateurs donc le projet de loi finance, que prévoit le gouvernement veut pour 2019 une réduction de 50 à 60 euros des aides versées aux locataires du parc social, à charge aux organismes HLM de baisser les loyers d'autant pour ne pas pénaliser les locataires, c'est ça le plan. On va regarder un exemple à Brest avec cette mesure, ce plan qui est qualifié de vaste connerie par François Cuyandre, ce sont ses mots. Regardez notre reportage. L'habitat social en pleine tourmente. L'annonce passe mal auprès des sociétés d'HLM avec une possible baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Une mesure qui pourrait déstabiliser toute l'économie de ce secteur, notamment à Brest, première ville de l'Ouest, pour son parc immobilier. Nous logeons de manière humaine, à des prix raisonnables, des locataires qui, pour beaucoup, sont en dessous du seuil de pauvreté. Imaginez que l'APL sera baissé de 50 ou 60 euros, les deux chiffres circulent, par mois et par allocataire, et que dans le même temps, les organismes publics d'HLM seraient amenés à diminuer d'autant les loyers, est un pur scandale. À Brest, la mesure a déjà été chiffrée, elle s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Pour un organisme comme BMH, c'est tout simplement 7 100 000 euros de recettes en moins, sur une base de 60 euros. Ça veut dire que demain, on sera moins présent dans les quartiers, on sera moins nombreux, qu'on entretiendra moins et qu'on construira moins. Une disposition qui s'inscrit dans un contexte de réduction générale des aides publiques au logement. La précédente baisse de 5 euros des APL avait déjà suscité une vive polémique. J'ai cru comprendre que la baisse de 5 euros et pas 50 ou 60 d'APL avait été jugée par le président de la République comme une vaste connerie.
ben, je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui passe de 5 euros à 50 euros. Alors, à première vue, ça ressemble à une mesure donc contre-productive, Hervé Berville, puisqu'avec moins d'argent, les bailleurs sociaux risquent de moins construire. Alors, bah, François Cuillande a-t-il raison, finalement? Est-ce que c'est une vaste connerie? Non, mais parce que dans votre reportage et dans ce que disait M. Couette, on regarde qu'un côté de la feuille. C'est que, en effet, on demande, parce que c'est ce que j'ai dit, il paraît assez illogique que le contribuable, in fine, la collectivité, paye d'un côté l'offre et d'un côté la demande, c'est-à-dire la construction, et de l'autre, ils appellent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui paraît de bon sens, c'est de dire on diminue les appels, en même temps on demande aux organismes de diminuer du même montant C'est sur leur problème de financement, du coup. Alors justement, on y vient. C'est pour ça que nous, on vit sur le long terme et que je disais qu'il fallait absolument toucher, comment dire, à ce qui fait que on dépense, et je le dis parce qu'il faut en effet, on n'a pas d'argent illimité, qu'on dépense un peu trop dans ce secteur-là. Il faut absolument qu'on ait des bâtiments qui soient beaucoup plus, en termes énergétiques, beaucoup plus raisonnés et raisonnables. Et donc c'est pour ça qu'on va garantir un financement sur le long terme. Et donc les organismes, quand ils s'endetteront auprès de l'État, ils auront une visibilité sur le long terme. Ça représente par an à peu près 300 à 400 millions d'euros d'économies, parce que cette fois-ci, ils auront une visibilité sur le financement. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut continuer d'aller dans le sens d'un investissement sur le secteur. Et donc là aussi, il y aura de l'argent, je l'ai répété déjà, d'avoir sur la transition énergétique de l'argent qui sera mis sur la table. Donc il ne faut pas simplement regarder la question de la baisse des appels, il faut regarder le projet dans sa totalité. Et enfin, je veux dire, sur cette question-là, c'est pas en, comment dire, en s'arc-boutant sur parfois des postures, parce que là, ce qu'on a actuellement, c'est aussi la conséquence de 10, 15, 20 ans d'immobilisme sur ce secteur. Si on a des gens qui sont en situation de mal-logement ou qui n'arrivent pas à trouver un logement adapté à leur situation, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Donc nous, on veut investir dans des logements qui dépensent beaucoup moins, notamment en énergie, et beaucoup plus sûrs et beaucoup plus propres. C'est ça l'ambition. On va faire un petit bilan d'abord, monsieur, juste sur se représenter un petit peu ce que sont les offices HLM en Bretagne. Hein. Donc la Bretagne compte 168 000 locataires HLM. L'association régionale pour l'habitat social estime à 70 millions d'euros le manque à gagner engendré par la baisse des APL. Alors, d'après cette association, cela se traduirait par 3500 logements HLM en moins construits chaque année. Emmanuel Couette, vous avez entendu l'argument de M. Berville qui explique qu'il y aurait d'autres moyens de financement pour le logement social. Est-ce que vous êtes convaincu par ça? C'est absolument extraordinaire parce que les pertes conditions de moyens, financement plus avantageuses qui permettraient de compenser ces pertes de moyens. Les pertes de moyens, ça, elles figurent bien au budget. Par contre, tout ce que vous nous évoquez là, c'est absolument pas dans le budget. C'est pas dans la loi de finances. Donc vous nous dites peut-être demain, il y aura des milliards pour la rénovation énergétique. Pour l'instant, ils ne sont pas inscrits en loi de finances initiale. Quel est le vrai projet ? Vous avez peur que ce soit une promesse en l'air et que finalement le parc social soit en danger. Ah non, mais pourquoi c'est pas inscrit au budget si c'était pas une promesse en l'air ? Je vais vous dire ma conviction, et c'est un peu plus que ma conviction. Le gouvernement, aujourd'hui, il a compris qu'il était dans l'impasse. Il a compris que les effets néfastes de sa réforme allaient percuter non seulement les locataires, mais aussi les organismes HLM, mais plus globalement, on y reviendra en dernière partie d'émission, toute la chaîne du logement, de l'immobilier privé, public et le secteur du bâtiment. Donc il essaye de rétro-pédaler, mais il n'y a pas de rétro-pédalage possible sans revenir sur la question des APL, parce que c'est au cœur du raisonnement. Les chiffres que vous venez de citer, c'est la réalité, et c'est la réalité pour 2018, mais je vais vous dire, ça a déjà commencé. Pourquoi est-ce que j'ai démissionné de la présidence du Fonds national des aides à la pierre? Parce qu'il y a déjà eu cet été des suppressions de crédits qui ont, dans notre région, dans votre département, dans votre circonscription, déjà des répercussions concrètes. 500 logements sociaux en moins de programmés dès l'automne, dans les semaines qui viennent, suite aux abattements de crédits qui ont été réalisés cet été. Donc on n'est pas dans une posture politicienne, on est avec des élus de terrain, toutes sensibilités confondues, qui se confrontent à la vraie vie, à la réalité des difficultés de nos concitoyens, à la nécessité de construire, et qui sont pris à revers par des décisions de l'État qui ont été mal préparées, dont le gouvernement, au fond de lui, aujourd'hui, constate tous les effets négatifs. Et simplement, il faut accepter de revenir sur cette réforme et de réengager
une vraie négociation, y compris s'il faut demain chercher plus d'efficacité pour le modèle. Sur ces questions d'argent, parce que j'ai envie de dire c'est un peu parole contre parole, mais à plusieurs reprises... Là, ce sont des chiffres inscrits au budget, pardonnez-moi. Ce n'est pas parole contre parole, ce sont les chiffres du budget. À plusieurs reprises, la Cour des comptes a notamment pointé des trésors de guerre qui seraient dans les organismes HLM, trop d'argent qui n'est pas utilisé. C'est aussi l'un des arguments du gouvernement de faire circuler cet argent qui soit réinjecté vraiment dans... Est-ce que vous confirmez ça ? Il n'y a pas de trésor de guerre. Et nous ne parlons pas d'entreprises qui réalisent des bénéfices. Les sommes qui sont avancées par le gouvernement, ça représente 2 mois à 2 mois et demi de ressources. N'importe quelle structure, publique ou privée, gère, c'est simplement du sérieux budgétaire que d'avoir ces 2 mois ou 2 mois et demi de ressources. La vérité, c'est que en privant en gros de 75% de la capacité à investir les organismes, demain, c'est moins de rénovation et moins de construction. Ça, c'est une vérité limpide. Quelle est la proposition que faisait... Juste un instant, Madame Elimont, je vous ai vu c'est là réagir... C'est 75% en moins. Je vous ai vu réagir sur cette notion de trésor de guerre. C'est pas en répétant que ça deviendra plus vrai. Qu'est-ce que vous pensez, vous, alors, sur ce sujet? Je ne vais pas être complètement d'accord avec M. Couette cette fois, parce que certains organismes HLM ont effectivement des reports à nouveau chaque année, des excédents qui, pour les locataires, nous paraissent un peu une position qui ne leur rend pas service, parce qu'on pense que cet argent-là pourrait être utilisé pour justement faire des travaux ou accélérer des travaux que les locataires attendent depuis longtemps. Mais ce ne sont pas des masses faramineuses comme semble le dire le gouvernement actuel. Ce n'est pas vrai. Pas de quoi compenser, en tout cas. Il y a effectivement certains organismes, peut-être il y a eu des abus par certains organismes. Et nous-mêmes, y compris à Rennes, nous sommes intervenus auprès des organismes en disant nous regrettons quand même que pour des projets de travaux importants demandés par les locataires, pour lesquels tel organisme a bien conscience qu'il faut faire quelque chose, il n'y ait pas un peu plus de fonds propres demi. Qui permettrait justement d'éviter des augmentations de loyers à ces occasions. Mais voilà, je voulais rétablir ça. C'est effectivement pour les locataires quelque chose de très préoccupant lorsque les travaux ne se font pas. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a tant de gaspillage que ça. C'est pas vrai. Il faut dire que demain, il n'y en aura plus des fonds propres si la réforme va jusqu'au bout. Ça, c'est le risque, effectivement. Nous, sur cette question-là, on ne veut pas qu'il y ait une masse d'argent. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes. Donc, c'est quand même un organisme indépendant qui a fait montre à nombreux sujets de véracité. Voilà. Mais exactement, mais justement, c'est parce que c'est certain et que moi, je ne pointerai jamais tel ou tel organisme. Et d'ailleurs, la situation de la Bretagne est un peu différente d'autres endroits. Parce que, par exemple, en Bretagne, on accueille plus de personnes en situation plus défavorable que dans d'autres endroits. C'est pour ça qu'on veut faire cette mutualisation, cette péréquation, pour faire en sorte que ceux qui ont un peu plus d'argent, qui accueillent un peu moins de personnes défavorisées, eh bien, ils participent et ils font en sorte de financer dans là où il y a le plus de gens défavorisés. Et cette philosophie-là, j'ai envie de dire qu'on a envie de conserver, qu'on a envie de voir, d'un côté l'investissement, la baisse des loyers et ensuite la mutualisation pour faire en sorte qu'on répartisse l'effort pour tout le monde. Alors une autre piste de la réforme aussi, c'est de réexaminer tous les 6 ans la situation des locataires d'un logement social. L'idée est d'éviter les locations à vie. Je vous propose de regarder cet extrait d'un reportage que nous avions consacré aux locataires d'un HLM de Rennes, rue de Dinan. Dans cet immeuble, il y a beaucoup de retraités. La plus âgée a 105 ans. Il y a aussi quelques familles. Fiona élève ses enfants seule. Merci. Au revoir, ton chef. Ça fait 6 ans qu'on est là et moi je suis arrivée à l'époque avec mon ex-conjoint. Et donc quand on s'est séparés, bah, du coup j'ai gardé l'appartement. Quoi. Et franchement, on est bien situé. Hein. Je suis bien tombée, on a eu de la chance. J'ai pas forcément envie de bouger. Et puis, de toute façon, j'ai pas les moyens de me payer en privé, hein, donc là, je suis bien. Oui, bonjour, c'est la factrice. C'est un paquet pour Edgevit Omerovic. C'est quel étage ? Vous pouvez entrer. J'arrive. Vous pouvez entrer. Les loyers sont fixés en fonction des revenus des locataires, souvent modestes. Raymonde était sans logement. Elle a été hébergée chez un ami pendant 1 an et demi. Il y a 2 ans, elle a finalement pu bénéficier de cet appartement. J'ai moins de 800 euros de retraite.
J'ai 760 ou quelque chose comme ça de retraite. Et j'ai une APL. Hein. En fait, moi, je paye 190 euros de loyer. Enfin, moi, je ne suis pas une grande consommatrice. Je n'ai pas besoin, j'ai pas des gros besoins. Et ben, je m'en sors. Et c'est vrai qu'on se dit ça souvent. Hein. Moi, je vais me coucher le soir. Je me dis, ah, mais il n'y a pas un soir où je ne me dis pas, mais quelle chance tu as! Quelle chance d'avoir cet appartement, hein, s'exclame cette dame. On vient de voir deux exemples finalement de locataires qui auraient du mal à se loger hors du parc social et qui manifestement n'ont pas envie de partir. Est-ce que c'est un problème, Hervé Berville? Est-ce qu'il y a trop d'abus d'après vous? Est-ce qu'on doit contraindre des ménages à quitter leur appartement pour faire de la place à ceux qui en ont plus besoin? Finalement, c'est un peu l'idée de ce réexamen des situations. Non, il ne s'agit pas de contrainte du tout. Ce n'est pas du tout l'objet ou même l'objectif de ce qu'on veut faire. Par contre, c'est vrai que de favoriser, d'inciter la mobilité dans le parc social, c'est évident. Et en fait, ce qui fait que maintenant, les gens ont un peu peur, et ce qui est normal, on ne peut pas quitter un logement si on ne sait pas ce qu'on va avoir avant, c'est de se dire que, étant donné que les autres personnes ne bougent pas non plus, ben on ne va pas partir de peur de ne pas avoir de logement. Donc là, l'idée, c'est de réexaminer tous les 6 ans, de proposer d'autres choses. Et c'est comme un peu dans tout système. Plus il y a de la fluidité, plus il y a de la mobilité, plus on peut adapter le logement à la personne. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on incite cette mobilité, mais il n'y aura aucunement une contrainte de quitter un logement. Mais par exemple, la dernière dame âgée qui bénéficie d'un logement assez vaste, ça veut dire que dans 6 ans, on peut lui dire, vous êtes toute seule, ma foi, 1-2 pièces vous suffirait, on va vous mettre dans un plus petit logement. Mais encore une fois, il n'y aura pas de contrainte. On pourra lui dire, étant donné qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui étaient, prenons le cas d'une famille, qui étaient que deux, ils ont eu un ou deux enfants, peut-être qu'il dirait, là, il y a un logement qui se libère, et donc peut-être que cette dame considérait que c'est peut-être mieux pour elle aussi d'aller dans ce plus petit logement. Après, c'est bien évidemment au cas par cas et il n'y aura aucunement une contrainte de le faire. On est content de vous l'entendre dire parce que ce n'est pas ce qui est dans les tiroirs aujourd'hui. Il y a un discours du gouvernement que je trouve pour moi, de mon point de vue, un peu démagogique, qui est d'afficher en quelque sorte ce chiffon rouge laissant à croire qu'il y aurait des effets d'aubaine. La réalité des situations dont on parle, ce sont celles de votre reportage. Et il faut simplement savoir, parce qu'il ne faut pas faire de démagogie sur ce point, que les personnes qui sont au-delà du plafond de ressources HLM et qui sont dans le parc public aujourd'hui, c'est moins de 3%. Donc, de toute façon, c'est une toute petite partie des locataires. 10%, mais... Non. Et ces personnes-là, lorsqu'elles sont au-delà de 20% du plafond, elles payent un surloyer. Donc je pense qu'il ne faut pas être sur les mauvais sujets. Le vrai sujet pour les personnes qui frappent à la porte et qui aimeraient avoir un logement, c'est de produire plus de logements. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Nous manquons aujourd'hui de logements sociaux dans ce pays et il faut inciter à construire. Pour inciter à construire, il faut aussi aider les organismes HLM à le faire. Et vous évoquiez tout à l'heure la question de la dépense budgétaire. C'est juste la solidarité nationale quand vous dites l'offre, la demande, mais d'aider à la fois les familles et d'aider en même temps les organismes à construire. Vous considérez que ça ne fonctionne pas, mais c'est juste des décennies de solidarité nationale qui ont plutôt bien fonctionné. C'est pas moi qui le dis, c'est les situations. 4 millions de personnes mal logées. Vous citez la Cour des comptes. De mon point de vue, la Cour des comptes, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ne faites pas semblant de pas comprendre. C'est qu'à l'intérieur des offices HLM, il y en a certains qui, en effet, madame l'a très bien noté tout à l'heure, qui ne font pas l'effort qu'il faudrait faire. Et donc l'idée, c'est de mutualiser. Ça me paraît logique. C'est attendu par tout le monde. Attaquez-vous à ce sujet sans baisser les APL, sans baisser les aides au logement des locataires. C'est deux choses distinctes et qui doivent aller dans le même sujet. Non, c'est deux choses distinctes. Donc on n'est pas d'accord sur le sujet. Toujours est-il que la majorité précédente n'a pas construit suffisamment de logements. C'est pour ça que, par exemple, par contre, c'est totalement faux. Non, mais ça, je vous le dis, parce que dans mes fonctions précédentes, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais parfaitement bien. Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Ce que vous dites est juste totalement faux. Pour la première fois par an. Pour la première combien fois, de PLAI je vais an, vous citer le chiffre et je pense que je vais avoir un chiffre plus précis que le vôtre. Mais pour la première fois en 2016 et en 2017, s'il n'y avait pas eu les suppressions de crédits, l'objectif national aurait été atteint. Et sur les PLAI, je vous le dis au passage parce que vous avez cité. Les PLAI, on peut peut-être expliquer. Ce sont les logements sociaux pour les plus modestes. Ce sont ceux qui bénéficient le plus des subventions d'investissement et qui vont être les premiers touchés par les décisions de l'été et par les décisions du budget 2018. Emmanuel Macron, il a eu raison de le faire, a dit qu'il faut porter l'effort à 40 000. Nous étions à 36 900 précisément. Nous, on va continuer. Mais non, vous n'allez pas continuer. Mais bien sûr que c'est. Mais attendez. Je vais vous donner un exemple très concret dans votre région, dans notre région.
C'est 500 logements sociaux en moins qui vont être programmés dans les semaines qui viennent. Ceux qui bénéficient le plus des subventions d'investissement, ce sont les PLAI. C'est ceux qui vont être, pénalisés en premier. C'est une évidence. L'objectif fixé par le président de la République ne sera pas atteint à cause de ce qui est, à cause des projets du gouvernement aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que sur les 5 dernières années, on était à 35 000 à peu près. Nous, on va porter l'effort à 40 000 puisqu'on va investir là où il y a besoin. Mais vous pouvez ne pas être d'accord ou le nier. On refera le même débat dans 2 ans. Mais alors, c'est l'objectif et on va l'atteindre parce qu'on veut tenir nos engagements, notamment pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, le plan prévoit aussi la vente de 40 000 logements sociaux par an contre 8 à 10 000 aujourd'hui via une société spécialisée. On a demandé à nos internautes si le rêve finalement c'était de devenir propriétaire. Est-ce que c'était une priorité pour vous ? Les réponses sont assez diverses. Pour certains, oui, c'est un investissement qui permet d'éviter d'avoir à payer un loyer à la retraite. Pour d'autres, non, ça coûte trop cher finalement. La vie devient plus dure financièrement, les salaires n'augmentent pas. Je préfère profiter de la vie que d'avoir la gorge serrée pendant 20 ans, nous dit Fanny. Plus de logements vendus, c'est plus d'argent à réinvestir dans la construction ou la rénovation du parc social. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, monsieur Couette ? D'abord, ça part du principe que tous les locataires du parc HLM, ceux que l'on a entendu témoigner dans vos reportages, auraient la capacité ou la possibilité du jour au lendemain à acheter leur logement. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais derrière, parce qu'il y a un raisonnement, il y a un plan qui n'est même pas un plan caché du gouvernement, qui est un plan assumé, qui est de dire on va obliger les organismes HLM à vendre des logements pour pouvoir en financer d'autres. Mais il n'y a aucune simplement... obligation. Il ne faut pas dire des choses. Non, mais pardonnez-moi, c'est au cœur du plan du gouvernement. Je vais jusqu'au bout. C'est au cœur du plan du gouvernement aujourd'hui. Tous ceux qui travaillent sur le dossier le savent bien. Mais simplement, moi, je me fais une réflexion toute simple et de bon sens. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas assez de logements sociaux dans ce pays pour loger les catégories moyennes, les ménages les plus modestes. Et demain, si on vend dans le parc HLM, il y en aura encore moins. C'est une évidence absolue. Donc, il y a une forme de contradiction intrinsèque au raisonnement. Et en revanche, il y a derrière des organismes privés qui regardent avec beaucoup d'attention et peut-être même une forme de délectation les ventes qui pourraient être faites dans le parc HLM. Le plan du gouvernement prévoit aussi la construction de 80 000 logements pour les jeunes durant le quinquennat. Un nouveau bail mobilité aussi sans dépôt de garantie est créé pour faciliter la location de courte durée. On l'a entendu, cette idée de mobilité, c'est vraiment important pour vous. Vous voulez faciliter cette mobilité, notamment des jeunes, pour les aider à se former, à trouver un emploi. C'est prenez l'exemple très concret de quelqu'un qui est en apprentissage et qui va dans telle ou telle ville. Il n'a pas forcément les moyens, la capacité ou même les garanties derrière, l'apport, bon, en tout cas des parents, pour pouvoir se loger. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, les jeunes sont amenés de plus en plus à bouger, ou les jeunes actifs. Donc, on va créer un bail mobilité de 1 à 10 mois avec une garantie de l'État pour faire en sorte que ces personnes-là puissent se loger. Et c'est un peu comme notre parc social aussi. C'est en incitant ou en renforçant, en stimulant cette mobilité qu'on va pouvoir avoir un roulement au sein de tout le parc et au sein du secteur du logement. Pour revenir sur la question de la vente, là aussi, je pense qu'il faut être sérieux 5 minutes. On n'a aucune prétention ou même aucune volonté, velléité d'obliger les offices HLM à vendre. Simplement, on dit on va mettre en œuvre des mesures qui vont inciter, qui vont faire en sorte qu'on va permettre aux gens qui parfois ont envie d'être de propriétaires, qui sont locataires, de le faire. Sur la question des 80 000 logements pour les jeunes et les étudiants, ça c'est une nécessité parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui à l'heure actuelle ne trouvent pas de logement. Ça, c'est un engagement qui est fort, il va falloir le tenir. Pour le tenir, il va falloir faire aussi d'autres dispositions, notamment sur la libéralisation du foncier. Et c'est pour ça qu'on va inverser un peu la logique. En France, la logique, c'était plus vous gardez votre terrain, plus vous êtes plus ou moins récompensé. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura des abattements fiscaux et des incitations qui feront que quand vous libérez le foncier assez rapidement pour construire des logements, eh bien, alors, vous aurez... On va justement passer à ce volet construction. Le secteur du bâtiment et de la construction va mieux, on le sait, mais le projet de loi de finances prévoit la réduction de 2 avantages clés qui soutiennent le marché. Le dispositif Pinel favorisant l'investissement locatif et le prêt à taux zéro pour les primo-accédants. De quoi inquiéter les professionnels du secteur. Regardez.
Les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances sont-elles cohérentes avec le profil démographique de la Bretagne? Les professionnels de l'immobilier s'en inquiètent car plusieurs mesures risquent de déstabiliser l'aménagement du territoire et faire monter en flèche les prix dans les grandes villes tout en déshabillant les campagnes. Premier exemple, la loi Pinel soutient l'investissement locatif dans le neuf. Il y a un projet de loi de finances qui vient d'être annoncé qui va exclure de la loi Pinel certaines zones, notamment les zones B2 et C, et ce qui ramènera certainement les investisseurs sur des métropoles et donc concentrer une demande très forte autour de ces produits-là. Et donc nous risquons là de nous retrouver à nouveau dans une vraie tension sur l'offre et donc mécaniquement certainement sur un enchérissement des prix. Le choix des investisseurs aura un impact sur le parc locatif. Quant aux primo-accédants, eux doivent faire face au changement du régime du prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro est maintenu, c'est une bonne nouvelle, mais recentré dans le neuf sur les grandes métropoles et les zones B, et donc va disparaître de nos campagnes ou des agglomérations de plus petite taille, même s'il demeure sur le marché de l'ancien avec travaux. Réunis aujourd'hui, les notaires de l'Ouest font le même constat et pointent une autre réforme, celle de l'ISF transformée en impôt sur la fortune immobilière et sur la valeur du patrimoine. Le patrimoine des personnes est essentiellement constitué de patrimoine immobilier. Si on doit faire des statistiques, à mon avis, on ne doit pas être loin de au moins 70% de valeur immobilière pour 30% de liquidité. Donc forcément, moins on favorise l'immobilier, plus l'investisseur type breton que je viens de décrire est pénalisé. Ces propriétaires bretons pourraient être tentés de vendre leurs biens immobiliers au profit d'autres investissements. L'évolution de l'offre et de la demande pourrait être fragilisée. Michel Aubeau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Monsieur Aubeau. Vous êtes vice-président de la Chambre syndicale de l'UNPI 35. L'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Alors, quand on parle d'immobilier, on va faire appel à votre expertise, hein, parce que là, en ce moment, la tension immobilière est déjà forte à Rennes. Le prix de l'ancien atteint des records, dépassant les 3000 euros du mètre carré. Vous avez entendu les propos du reportage. Pensez-vous, vous aussi, que les risques, alors du coup, dans le neuf, risquent de monter, en fait? Est-ce que les prix risquent de monter avec cette réforme du dispositif Pinel? Est-ce que concentrer tout ce dispositif sur les grandes agglomérations comme Rennes, c'est une bonne idée? D'abord, je dirais que les propriétaires immobiliers, c'est-à-dire les bailleurs privés, sont complètement découragés, écœurés, par ce qui va se mettre en place concernant la taxe sur les biens immobiliers. Nous pensons que c'est une erreur. Alors, vous pensez à quoi exactement là? Parce qu'on... On va supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières et on va taxer seulement l'immobilier. Alors que l'immobilier, et c'est tout à fait logique, il faut payer de l'impôt, alors que l'immobilier est déjà un bon percepteur en ce sens qu'il faut payer la taxe foncière, et toutes l'ISF, enfin pas l'ISF, mais les CSG, etc. Sincèrement, je pense que vous allez voir... Vous, en tant que notaire, vous dites que ça va décourager finalement investisseurs construire, à faire de la location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le dispositif Pinel qui est très intéressant, mais il est intéressant pour les jeunes qui vont emprunter et bénéficier du Pinel, mais celui qui va arriver à la retraite, on va le pénaliser parce qu'il va avoir une taxe sur les biens immobiliers. Donc, ce n'est pas intéressant. Là, vous parlez des gros patrimoines immobiliers, du coup. Mais 1,3 million. Quand vous avez une maison, vous savez, c'est vite arrivé. Hein. Et celui qui veut faire sa retraite, bien entendu, eh bien, vous savez bien que les artisans, les commerçants n'ont pas des retraites formidables. Et ils essaient d'investir, justement, dans l'immobilier pour pouvoir compléter leur retraite. Parce que ça, c'est, si vous voulez, c'est très breton. Nos parents ont été spoliés plus ou moins par des organismes qui, avant la guerre, vendaient du papier et puis ils se sont retrouvés avec rien, zéro, nul. Et aujourd'hui encore, on s'aperçoit que même si vous placez, il y a 15-20 ans, dans des valeurs mobilières ou pour une assurance vie, on s'aperçoit qu'avec la capitalisation, vous n'avez pas plus de 20%. Chiffre en main, je peux vous en donner. C'est vrai que c'est monnayable. C'est monnayable parce que vous pouvez demander à résilier votre contrat. Mais quand il s'agit de SCPI, par exemple,
on vous garantit... Alors là, on rentre vraiment dans des choses assez techniques et spécifiques. Oui, mais on vous garantit tout de suite, on vous garantit le revenu, mais on vous garantit pas la vente des parts. Et vous savez, il y a des surprises. Pour la bonne raison, c'est que le bien évolue. Il évolue quand en... vous voyez, excusez-moi, mais je reviens sur ces questions des prix quand même, parce que je pense que c'est vraiment ça qui inquiète un petit peu nos téléspectateurs. Est-ce que finalement, recentrer le Pinel sur les grosses agglomérations comme Rennes, aux dépens de villes moyennes comme Brest, Vitré, Jonzé, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer une bulle spéculative sur Rennes et tout en délaissant finalement le reste de la Bretagne, est-ce qu'on n'est pas... Il y a un problème aussi de cohésion de territoire, là. Bon, à titre personnel, je ne vais pas intervenir sur le Pinel qui favorise Rennes, peut-être, parce que d'abord, je suis rennais, je suis né à Rennes, j'aime bien Rennes, donc pour moi, c'est très important. Mais vous voulez voir... Je pense que à terme, ce ne sera pas très avantageux, et vous allez voir que les prix vont baisser. Vous avez dit tout à l'heure que l'ancien atteignait 3600. C'est quand même dans le quartier... Alors justement, c'est ce qu'on peut regarder, hein, le prix de l'ancien qui atteint des records. D'or, hein. Oui, 3, parce qu'autrement, ça tourne entre 3600 et 2000 euros. Mais on est sur un débat qui est très technique. Donc il faut peut-être, évidemment, on pense aux téléspectateurs, essayer de redire que le dispositif Pinel, c'est un dispositif d'incitation pour les propriétaires privés à investir dans un logement. Procédé de défiscalisation. Voilà, pour avoir de la défiscalisation et ensuite le louer avec des loyers qui sont maîtrisés. Donc, en soi, c'est plutôt un dispositif incitatif, vertueux. Le gouvernement a considéré qu'il était trop coûteux et simplement, il y avait deux manières de faire. Soit il y avait une possibilité de limiter un peu les avantages pour les propriétaires privés, soit, et c'est la décision qui a été prise et qui est très contestée aujourd'hui, c'est de limiter à certains territoires, en l'occurrence pour toute la Bretagne, à Rennes et Saint-Malo. Et donc je tiens à dire ici que Rennes ne l'a surtout pas demandé. Je pense que c'est porteur de graves déséquilibres territoriaux. Pour le modèle breton, il faut qu'il puisse y avoir de l'investissement privé dans le logement partout en Bretagne et pas simplement à Rennes et à Saint-Malo. Et effectivement, ça va avoir l'effet que vous avez évoqué de tirer encore les prix vers le haut. Donc, ce n'est surtout pas une demande de Rennes. Et si le gouvernement pouvait revenir sur cette disposition et permettre à tous les territoires de Bretagne de bénéficier de l'apport des investisseurs privés, ce serait une très bonne chose. Je suis entièrement d'accord avec vous, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un problème de cohésion de territoire, là, parce que si on met tout sur Rennes, Saint-Malo... on met quasiment la pointe ouest, Brest, à l'abandon. Non. Juste pour répondre, il n'y a pas de taxation supplémentaire dans le cadre de la réforme de l'ISF. Ça va être à fiscalité constante, donc ça ne changera rien pour les personnes qui possèdent un bien immobilier. Ensuite, il y avait un constat, c'est qu'il y avait des zones qui sont plus tendues que dans d'autres. Et donc, du coup, pour continuer, pour favoriser la construction, on a gardé le dispositif Pinel pour les zones tendues, donc Rennes, Dinard, Saint-Malo. Il faut quand même rappeler, ça me paraît important, qu'à l'origine, ce régime devait disparaître en décembre 2017. Et donc nous, on l'a reconduit pour 4 ans. C'était une décision qu'on a prise, parce qu'en effet, c'est une décision fiscalement, donc pour tous les contribuables, qui est quand même assez conséquente. Donc on l'a reconduit pour 4 ans. Et en plus, parce qu'il y a quand même, c'est contesté aussi de temps en temps sur l'efficacité du dispositif, on va mener une évaluation pour voir dans 4 ans quel est l'impact réel du Pinel sur tout un tas de zones et de villes. Et enfin, sur la question des zones un peu moins denses, les zones qui sont moins tendues, on a dans notre programme, dans la stratégie logement, des investissements qui vont être fléchés sur pour revitaliser justement ces zones-là. Parce que ce ne sont pas des zones tendues. Il ne faut pas dire l'inverse de ce qui est la réalité. Ce ne sont pas des zones tendues. Par contre, là, on doit mettre le paquet entre guillemets et avoir des incitations pour que les gens viennent investir dans les centres-villes de villes moyennes où là où il y a un vrai besoin de revitalisation. Et ça va s'adosser notamment pour les villes moyennes un peu partout en France, avec une vraie stratégie pour faire ramener les entreprises et pour faire ramener les commerces dans ces centres-bourgs-là. Oui. Là aussi, c'est toujours pas au budget 2018, hein, je glisse au passage. Oui. Vous évoquez des sommes qui arriveront plus tard, mais... Si, c'est au budget. Pourquoi... Mais vous avez supprimé à Vitré. Vous avez supprimé à Vitré. C'est sur ça, l'exemple de Vitré. Oui, Vitré a besoin de logement et vraiment a besoin du Pinel, parce qu'il y a un taux de chômage qui est très peu élevé. De plus, c'est une ville qui s'agrandit et sincèrement, le Pinel était indispensable pour Vitré. Et on a supprimé le Pinel. L'impact pour votre commune, vous, à Saint-Jacques-de-la-Lande,
Bah, l'impact, il va jouer aux deux niveaux, évidemment l'investissement locatif, mais le gros impact sur le logement, et notamment si on pense au secteur du bâtiment et des travaux publics, qui sont des emplois locaux, non délocalisables, hein, c'est d'abord la réforme des APL et du monde HLM, parce que dans toutes les opérations d'aménagement, dans tous les territoires qui se développent, il y a toujours une mixité entre logements sociaux et logement libre, logement privé. Mais si vous ne marchez pas sur vos deux jambes, c'est toutes les perspectives de développement qui s'effondrent. Donc il y aura aussi un effet sur le logement privé des réformes du gouvernement contre le logement social, c'est évident. Mais là, nous, contrairement à ce qui a pu être fait avant, là où au lieu de continuer ces dispositifs de subvention quand même, nous on veut mieux les adapter, mieux les cibler, mais surtout on veut faire en sorte que pour construire, justement, pour faire ce choc d'offres-là, on ait vraiment des vraies dispositions. Et c'est ce que j'évoquais sur notamment la cession du foncier, inciter avec des abattements fiscaux qui peuvent aller jusqu'à 100% quand c'est un particulier ou une entreprise, de céder des terres pour justement construire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de subventionner à travers du Pinel, qui parfois, dans certaines régions, crée un vrai phénomène. C'est-à-dire que de toute manière, les gens investissent. Qui va investir demain pour loger les Français? Parce que si, bon, voilà, on voit l'ISF maintenu dans l'immobilier, qu'incite pas les investisseurs à acheter de la pierre, la baisse du financement du logement social qui risque de limiter les nouvelles constructions. Donc c'est bien de libérer du foncier, mais qui va investir demain pour loger les gens ? Alors, avec tout justement les incitations fiscales que je vous dis, avec la lisibilité, la visibilité de notre mesure fiscale et aussi réglementaire, parce qu'on a fait de moratoire aussi sur les normes techniques, sauf celles qui sont relatives aux normes bien évidemment sécuritaires. C'est ça que les investisseurs ils attendent, c'est de savoir que si j'investis sur 5, 10, 15, 20 ans, je vais avoir cette lisibilité-là. Et ensuite, quand on fait la réforme de l'ISF, il va y avoir du capital qui sera là, qui sera disponible et justement qui doit être investi dans tout un tas de secteurs. Donc, parce que le problème du logement en France, ce n'est pas le problème de trouver des investisseurs. Le vrai problème ici en France, c'est qu'on a beaucoup de gens qui cherchent des logements avec des logements qui ne sont pas assez rénovés, avec un manque d'investissement aussi du public et des offices HLM, et c'est sur ça qu'on veut agir. Mais je tiens quand même à dire que si vous taxez l'immobilier comme c'est prévu... Mais on ne va pas taxer plus. Mais si, puisque... Mais c'est de la discrimination. Excusez-moi, monsieur, merci, mais c'est la fin de ce débat. Excusez-moi, c'est la fin de ce débat. Non, c'est trop court. Ça ne changera rien. Il y aura encore beaucoup à dire, mais c'est la fin de ce débat sur la réforme du logement. Merci, merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dimanche prochain, 11h, vous retrouvez votre émission Dimanche en politique. À 11h30, avec Robin Durand, il accueillera Pierre-Yves Cadalin, un des représentants de la France insoumise en Bretagne. Si vous souhaitez revoir ce débat, rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via Facebook ou Twitter. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. À suivre maintenant votre journal régional présenté par Stéphanie Labrousse. Bon dimanche à tous sur France 3.